Loin à l'est, par-delà des monts et des rivières, se dresse un pic solitaire. Les nains sont résolus à reconquérir leurs terres. J'aime avoir des visiteurs, comme n'importe quel hobbit. Mais j'aime bien les connaître avant qu'ils ne me rendent visite. Monsieur Sakai, pour vous servir. Je suis entouré de nains. Que font-ils ici ? Voilà une bien joyeuse assemblée. Alors, c'est le hobbit. Vous m'aviez demandé de trouver le 14e membre de cette compagnie. J'ai choisi Monsieur Sakai. Moi ? Non. Les hobbits peuvent passer inaperçus quand ils le veulent, ce qui nous donne un net avantage. Nous saisirons cette chance de reprendre Erebor. Hé, Monsieur Bilbo, où allez-vous comme ça ? Je pars pour une aventure ! Mitrandir, pourquoi le semi-homme ? Pourquoi Bilbon Sakai ? Peut-être est-ce parce que j'ai peur. Et qu'il me donne du courage. Ainsi, c'est là votre but. Pénétrer dans la montagne. Et alors ? D'aucuns jugeraient que cela n'est pas prudent. Une puissance maléfique a trouvé un moyen de revenir dans le monde. Et si nous jouions ? Au jeu des énigmes. Et si ça perd, qu'arrive-t-il ? Oh, si ça perd, mon précieux, nous le mangerons. Si le saké perd, nous le mangerons tout entier. Entendu. Je ne changerai aucun de ces nains contre la plus puissante des armées. Loyauté. Honneur. Un cœur vaillant. Je n'en demande pas plus. Votre village est derrière vous, désormais. Le monde est devant. Eh ben, ça aurait pu être pire. Non, mais tu plaisantes, j'espère.